Bonjour les supporters de Montpellier, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief de Montpellier-La Rochelle. Je vous mettrai la composition d'équipe ici et le score en bas. Cette victoire couplée au résultat des autres équipes nous a fait du bien. Nous avons fait encore le job en seconde mi-temps. J'espère que ce n'est pas grave pour Nicolas Van Rijsburg. Fidèles sont les Warriors, si on gagne contre Toulon, on aura notre maintien. Allez les copains, très bon match de Paul Williams et de Florent Vérag et de Cobus Reynard et de Boutier et de Gloussen. J'espère que ce n'est pas grave pour Anthony Boutier. Mardi match contre Toulon, si on gagne, on assurera notre maintien. Nos 6 s'imposent avec le bonus offensif face à La Rochelle sur le score de 32-22. Et l'enchaînement ainsi d'une 5e victoire consécutive, bravo les gars. Très bon match de Arthur Vincent qui a super faire le taf et percer les lignes. Bravo à nos joueurs et à notre staff. Prochain match dès mardi contre Toulon. Bravo nos guerriers, on croit en vous. Et je voulais aussi dire bon rétablissement à vous deux, Nicolas Van Rijsburg et Anthony Boutier, car vous allez nous manquer. Au moins, j'ai regardé sur... sur le midi libre, j'espère que c'est pas trop grave parce qu'on disait que c'était une fracture, truc au côté pour Anthony Boutier et pour la cheville Arthur. Nicolas Van Rijsburg, on dit que c'est une entorse de la cheville, il devrait passer les examens ce dimanche-là. On espère que c'est pas trop grave pour nos joueurs. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était Mel Debrief, ciao ciao.